Jacques Chirac, visiblement fatigué par la conférence qu'il vient de suivre et que son entourage doit guider. C'est l'image offerte ce week-end par l'ancien locataire de l'Élysée. Comment ? Bien sûr, il y a encore quelque chose là. Vous voulez vous écarter, s'il vous plaît ? J'ai pas compris. À 78 ans, et après la polémique de cet hiver sur une éventuelle maladie, son entourage s'emploie à faire taire les rumeurs sur son état de santé. Parlez-lui des arts premiers, parlez-lui de la situation internationale, parlez-lui de l'évolution de l'humanité, des grands enjeux écologiques. Jacques Chirac est passionné. Et il a toute sa tête. Parlez-lui de politique, il ne répond pas, ça ne l'intéresse pas. La question embarrasse en tout cas visiblement la classe politique. Si c'est une personne âgée, je trouve que le respect que l'on doit à l'ancien président de la République fait qu'on ne peut qu'avoir de la compassion. Si c'est une boutade qui est voulue, je trouve qu'elle est quand même de mauvais goût. J'ai bien regardé la télé, franchement, je n'ai pas vu de pointe d'humour. Humour, maladresse ou simple liberté d'un homme débarrassé des contingences et des convenances. Pour éviter les malentendus, Jacques Chirac a prévu de décliner toutes les invitations médiatiques, et ce jusqu'à l'élection présidentielle.